Après 3 années de dur labeur, sont mis sur le marché de l'emploi 47 nouveaux diplômés du Centre interfacultaire de formation et de recherche en environnement pour le développement durable CIFRED de l'Université d'Abou Mek Alavi. Ce jour représente la fin d'un chapitre qui s'inscrit aussi dans l'histoire du CIFRED. Il représente également un nouveau chapitre dans nos vies, un chapitre plein d'espoir et de promesses. Durant nos 3 années d'expérience au CIFRED, nous avons appris à travailler ensemble, à faire preuve d'assiduité, de détermination et de courage. Ces diplômés représentent la 6e promotion des étudiants en licence, hygiène, environnement et santé du CIFRED. Parrainée par le professeur Mamassani Issa, cette promotion est l'une des meilleures depuis la création de cet établissement de l'UAC. Cette 6e promotion s'est particulièrement illustrée en ce sens que sur un effectif de 47 étudiants au départ, les 47 ont validé toutes leurs unités d'enseignement. Tout ceci sanctionné par une soutenance effective des rapports de stage. Merci aux étudiants lauréats qui ont aussi accepté de faire le chemin combien besogneux et difficile, hein, nous le savons tous. C'est un chemin exigeant que vous avez accepté de faire et vous l'avez fait jusqu'au bout. Je vous dis merci et je vous félicite. Pour les autorités universitaires, le domaine de l'hygiène, environnement et santé, qui est celui choisi par ces récipiendaires, est un domaine important capable de leur assurer une insertion professionnelle réussie. Le contexte international, marqué par un intérêt pour les questions environnementales, montre que le parcours et les compétences acquises des diplômés de cette formation sont plus que jamais pertinents et d'actualité. Aussi, dans la 2e génération du programme d'action du gouvernement, la protection de l'environnement et à la durabilité des ressources naturelles tiennent une place de premier choix.